Grâce aux précédentes vidéos, nous sommes maintenant capables de tracer des polygones réguliers de la complexité que l'on veut. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur une autre façon de dessiner. Cette autre façon de dessiner va nous demander de nous reporter à ce fameux repère cartésien qui a été évoqué dans une précédente vidéo, donc avec les deux axes et les coordonnées. Pour ce travail, je vais vous demander d'utiliser un outil supplémentaire qui est cette grille que je mettrai à votre disposition. Mais j'ai déjà fait une partie du travail. Sur cette grille, moi, je vais vous demander d'écrire des lettres comme je l'ai fait sur ce document-ci. Voilà, j'ai commencé à écrire des lettres et il me reste juste à terminer la dernière lettre, donc avec l'outil polygone, je trace le H de Sarah, voilà, et j'ai terminé. Quel est l'objectif? En fait, l'objectif, il est de bien se préciser les coordonnées des différents points qui forment les lettres que vous aurez dessinées. Alors, moi, j'ai commencé le travail ici en haut, et j'ai repéré que la lettre L est formée de trois points. Le premier point se trouve aux coordonnées moins 140 plus 160, plus 160, moins 140. Le deuxième point à moins 140, 80, et le troisième à moins 100 plus 80. Eh bien, muni de ces informations, je peux maintenant retourner voir notre ami Scratch et lui demander de tracer une lettre L, une jolie lettre L, du même genre que celle qui figure là. Bien, pour cela, je vais laisser la fenêtre ici en premier plan, de manière à la garder visible, et je démarre mon programme pour dessiner la lettre L. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas demander à Scratch d'avancer d'un certain nombre de pas, je vais lui demander d'aller se positionner à différents endroits. Le premier endroit où je vais lui demander d'aller, c'est l'endroit moins 140 plus 160. Donc pour cela, je dispose de l'instruction aller A, X, Y. Alors X vaut ici moins 140, on commence toujours par la coordonnée X, et Y vaut ici plus 160. Je ne suis pas obligé d'écrire le signe plus, il est implicite. Voilà. Alors, je vais tester cette première instruction. Et je vois qu'elle pose un petit problème dans la mesure où le stylo était baissé. Je l'avais laissé baisser suite à une précédente expérience. Et le chat a dessiné tout le trajet qu'il fait jusqu'à moins 140 plus 160. Ce qui n'est pas souhaitable. Donc, je vais lui demander de relever le stylo avant de commencer à se déplacer. Et ici, ce serait même bien si, évidemment, tous les traits précédents étaient effacés. Donc, effacer tout, relever le stylo et aller à cet endroit-là. Mais attention, à partir du moment où il sera à l'endroit précisé, il faudra bien sûr qu'à ce moment-là, il commence à écrire. Donc, à ce moment-là, je vais mettre le stylo en position d'écriture. Puis, je vais lui demander de tracer le reste de la lettre, c'est-à-dire, il va devoir se déplacer en moins 140 plus 80. Alors, ça, c'est dans les mouvements, à moins 140 plus 80. Je n'ai qu'à modifier le 160, voilà, et puis se rendre à moins 100 plus 80. Donc c'est de nouveau un bloc du même type, avec moins 100 plus 80. Voilà, je ne reste plus qu'à mettre le petit chapeau, et normalement, voyons voir, je clique, et voilà la lettre L qui a été dessinée. Alors, je veux aller plus loin, je veux maintenant dessiner la lettre O. Par où vais-je commencer? Bon, il serait logique que je commence, puisque maintenant le chat se trouve en moins 100 plus 80, il serait logique que je commence par le point suivant, c'est-à-dire que je me déplace jusqu'à moins 80 plus 80. Attention, bien sûr, il ne faut pas dessiner entre les deux. Donc, à nouveau,
au niveau du stylo, je vais mettre le stylo relevé. Puis, je peux commencer les déplacements. Déplacement jusqu'à moins 80 plus 80. Moins 80 plus 80. Attention, maintenant pensez à redescendre le stylo. Donc, stylo en position d'écriture. Et puis, dans quel sens vais-je dessiner le haut? Bon, ça, vous décidez comme vous le voulez. Moi, je décide de faire le tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je vais aller à moins 40 plus 80. Moins 40 plus 80. Et puis, je me rends ensuite à moins 40 plus 160. Tout ceci ne pose aucun problème, en principe. 160, je vais encore en 80, 160, moins 80, 160, et je termine le haut en me rendant en moins 80, plus 80. Voilà, je peux déjà penser à remettre le stylo en position de non-écriture. Voilà. Alors, je pense avoir terminé la mission avec les deux premières lettres. Les lettres suivantes ne poseront aucun problème. L suivi du O. Parfait.